Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment configurer manuellement le programme Fail2Ban. Alors, je ne reviens pas sur son utilisation, on peut tester la connexion avec un SSH route arrobase et l'adresse IP de votre machine de destination. Dans ma vidéo précédente sur Fail2Ban, j'ai montré justement le fonctionnement et les bases du programme. Alors ici, ça va être beaucoup plus intéressant parce que je vais rentrer cette fois un peu plus dans le détail. Alors je passe sur l'installation de Fail2Ban, je fais un apt install un Fail2Ban --y. Il n'y a quasiment rien à installer, ça va très vite. Et avant de rentrer dans la configuration à proprement parler, je vais d'abord aller faire un tour dans les fichiers qui sont spécifiques pour Debian. Donc justement, j'en avais parlé la fois dernière avec ma vidéo sur Webmin. Par défaut, le SSH est activé pour Debian. Alors en réalité, on peut aller voir justement le fichier qui valide cette activation. Donc j'ai fait un cat espace slash etc slash fail2ban slash gel.d slash default debian conf. Donc on retrouve ici le fichier de configuration par défaut de Debian. Et on voit que le SSH est à enable. Donc c'est pour ça que dans mon webmin, je retrouvais deux SSH. À la main, on va voir que c'est complètement transparent. Alors bien sûr, on l'a d'ici d'activer, mais on pourra l'activer dans le fichier de configuration de mon Fail2Ban. Et justement, c'est ce qu'on va voir. Le fichier de configuration de Fail2Ban est dans le dossier etc Fail2Ban et s'appelle gel.conf. Alors toujours pour terminer avec cette configuration SSH d'activer par défaut, on peut tout de suite aller chercher SSH et dans le programme SSH, on va pouvoir lui mettre enable égale true. Et là, ça évitera de se poser des questions, est-ce que c'est activé ou est-ce que c'est pas activé? Avant de repartir dans mon programme SSH, je vais d'abord passer par défaut. Donc par défaut, on va voir qu'on peut fixer les valeurs par défaut des programmes. Alors c'est là où aussi où on voit qu'on vous dit que 1 heure c'est bien et que par défaut c'est fixé à 10 minutes. Bon, en réalité, ça va dépendre de chacun, chacun son point de vue. Et ça, j'en ai déjà parlé, je reviens pas là-dessus. Sinon, ce qui va nous intéresser, c'est plus de rentrer dans le détail, donc je vais aller chercher SSH. Et on peut mettre ici les différentes valeurs. Alors on voit qu'il y a tous les programmes qui sont là-dedans. Ça prend beaucoup de place, c'est long à rechercher. Mais bon, après c'est une question d'habitude. Donc je vais pouvoir mettre un ban time à 1 minute. Donc ça j'en avais parlé aussi la fois dernière. Le find time à 1 minute. Donc ça si un node est banni et puis il régénère un max retry pendant cette période de find time, il va être de nouveau tout de suite banni. Le max retry qui permet de dire combien d'essais je vais pouvoir exécuter avant d'être bloqué. Alors globalement, on va retrouver sensiblement une dizaine de paramètres possibles. Alors si vous voulez retrouver ces différents paramètres, il suffit de faire un man gel.conf et puis vous allez retrouver les différentes actions possibles dans gel configuration file. Donc comme quoi il y a un manuel rien que pour le fichier de configuration de Fail2Ban. Alors au passage je vais en profiter pour voir les différents ports. Donc par exemple si on prend le FTP, c'est exactement le même port, puisque de toute façon du FTP reste du FTP. Donc ça sera exactement le même port pour VSFTP, ProFTPD, FTP, le GSFTP et puis tous les programmes FTP. Par contre,
y a quand même une différence, c'est dans le fichier de log qui est utilisé. OFTP ou VSFTP ont leurs fichiers de log qui sont propres au programme. Alors, pour plus de clarté, on peut aussi travailler dans un fichier qu'on va appeler jail local. Donc là, qui va être propre à chaque programme. Donc plutôt que d'avoir un long fichier jail.conf avec tous les paramètres, on peut très bien avoir généré un fichier jail.local qu'on va devoir créer. Et là, on va pouvoir mettre notre programme avec ses propres paramètres. Donc je vais faire un nano jail.local, je vais créer le fichier, il va contenir les paramètres, donc je vais mettre entre crochets SSH, donc c'est le service que je veux générer, et puis là je vais lui mettre runtime égale 1 minute, le findTime égale 1 minute, le max retry 3. Alors juste pour le rappel, si on veut bannir définitivement une machine, sur le ban time, il suffit de mettre moins 1. J'enregistre et quand j'ai enregistré, quand j'ai confirmé mes différents paramètres, il va falloir redémarrer le service. Donc je vais faire un service fail to ban restart. Alors bien sûr, on est dans de la sécurité. Il est hors de question de le laisser comme ça. On peut faire aussi un service fail to ban statut pour bien vérifier que mon fail to ban a redémarré. Et bien sûr, quand on a fini, quand on a mis tout ça en place, on fait les essais. Donc là, je vais pas faire tous les essais, j'ai juste faire un essai. Alors juste pour le rappel, c'est une adresse IP qui est bannie, c'est pas le compte, donc c'est pas la peine d'essayer avec un compte puis avec un autre compte, c'est la machine qui est bannie. C'est le max retry essai qu'on fait. Donc si j'ai mis max retry à 3, je peux faire que 3 essais. Au quatrième essai, de toute façon, la quatrième fois où j'ai essayé de me connecter, il me dira que ma machine est bloquée. Aussi, j'en avais parlé aussi dans ma vidéo sur Webmin avec mon fail to ban. Si je ne mets pas de mot de passe, eh bien, c'est pas toujours considéré comme un essai. Mais de toute façon, si on met pas de mot de passe, ça ne marche pas. Alors, j'en ai parlé aussi, fail to ban. C'est compliqué une fois que on a banni définitivement une adresse IP. Donc là, on le verra dans une autre vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker ou laissez-moi un tip sur tipeee.com/ljpinfo. Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos. Comme d'habitude, tapez ljpinfo pour retrouver mes différents documents. Laissez-moi vos questions, vos suggestions. Et on se dit à bientôt.